Salut, bienvenue dans Use It Again by Extia au cœur du réacteur. Je suis sur mon ordi depuis quelques heures à regarder où on va passer pour contourner la dépression tropicale. J'ai bien avancé pendant que vous dormiez aujourd'hui et j'ai 40 000 d'avance sur le routage. Donc je suis en configuration course en fait, par rapport à la polaire du bateau, la vitesse cible que fait le bateau dans les conditions que je rencontre. Et donc là, on ne voyait pas forcément bien, mais voilà ce que donne un peu un routage. Voilà, et il y a mon bateau en orange devant et le bateau derrière routé. Et là, l'idée, c'est de se positionner le mieux possible par la dépression qui est donc dans le sud. On va la contourner par le nord afin d'avoir de bonnes conditions qui vont être un petit peu musclées. Mais c'est normal, on est là pour faire du bateau à voile dans le Pacifique et dans de belles conditions. Allez, salut, à bientôt, ciao. Bonjour à tous, c'est Romain sur Use It Again by Extia. Troisième jour de ce temps de référence sur la distance Moorea-Cape Town. 11 000 milles devant les étraves. On va pas compter les jours, hein, on est d'accord. On compte pas les dodos. Là, je suis en train d'affaler le Jenacker. Quand je vois le temps que je mets pour l'affaler, et le temps qu'il nous a fallu à plusieurs pour le hisser avant le départ, je suis un peu dégoûté de l'avoir affalé, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ce soir, on se prend une petite cartouche, comme on dit dans le jargon. Une dépression tropicale nous passe dessus. Il va falloir éviter ça. On la passe par, on la contourne par le nord. Donc on va faire ça bien et il vaut mieux ranger tout ce qui doit être rangé, dont le Jenacker à l'avant. Il va y avoir un peu de près serré et probablement du 25-30 nœuds, rafale peut-être 35, on verra bien. Verdict dans 24-36 heures. Allez, voilà, restez bien au chaud. Bon, ici il fait chaud d'ailleurs, mais c'est juste qu'on va se faire tremper. Voilà. Allez, salut, à bientôt. Ciao.